Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester toujours très courtois dans vos commentaires. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la Guinée-Conakry où les choses se dessinent. Selloum Dalein Diallo annonçait très souvent son retour en République de Guinée sans donner de date. Cette fois-ci, Selloum Dalein Diallo a promis aux Guinéens et aux membres de son parti qu'il devrait être en Guinée pour la fête du congrès de son parti. On se pose la question à savoir si Selloum Dalein Diallo doit bel et bien retourner en Guinée car comme vous le saviez, il y a une plainte qui pèse contre lui, l'impliquant dans la vente de l'avion Air Guinée et autres. Vu les dernières actualités et l'arrestation de Sadiba Koulibaly, les Guinéens se posent la question à savoir si la promesse de Selloum Dalein tient toujours, celle de revenir en République de Guinée, car comme vous le saviez, si ce dernier arrive en Guinée, son arrestation sera imminente, car la justice a un mandat d'arrêt contre lui depuis. Ils n'ont pas exécuté ce mandat tout simplement parce qu'il est hors du pays. Nous pensons donc que Selloum Dalein Diallo ferait mieux de rester où il se trouve, car s'il dépose son pied en Guinée, il sera arrêté et emprisonné. Ce qui devrait entre autres lancer ou bien pousser les militants du pays, du parti de Selloum Dalein Diallo à manifester et autres. Ce qui devrait entre autres créer un désordre et mettre la Guinée dans le chaos. Nous pensons que la fin de Mamadou Doumbouya est proche car ce dernier est en train de se créer des problèmes à tort et à travers. Et l'emprisonnement de Sadiba Koulibaly montre que Mamadou Doumbouya est à coup d'idées. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.